Hey yo tout le monde, c'est Batus Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Mais avant tout ça, il faut que je vous montre quelque chose. C'est ça, voilà. Dans le vrai Clash Royale, j'ai eu la bûche dans un coffre en or. Voilà, donc c'est parti. Donc, on fait quelques petites attaques. Aujourd'hui, des attaques, voilà. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai rushé. Et puis, bientôt. Ouh là, plus beaucoup de connexions. Bientôt, je vais vous faire un pack opening. Il veut bien se refresh. Non, il veut pas. D'accord. Donc, si il veut bien. Alors, donc, devoir démarrer Stade Royal, parce que là, donc je vais vous montrer pourquoi je vais faire mon pack opening. Bon, bref. Voilà. Donc, je vais avoir mon géant légendaire et magique. Donc, je vais faire un pack opening avec ces trois coffres. Donc, dès que j'ai le géant, je l'ouvre pas, je le garde. Je laisse des places à côté. Dès que j'ai le légendaire, je l'ouvre pas, pareil. Ensuite, dès que j'ai le magique, voilà. Donc, j'ouvre le légendaire déjà. Enfin, je débloque le légendaire, je débloque le géant, je débloque le magique. Donc tout ça fera 2 jours. Et après, je vous ferai le petit pack opening de folie. Voilà. Donc, maintenant, on va sur Clash Royale. C'est parti. Voilà, donc on y va, on fait des petites attaques. C'est parti, on y va. Il nous agresse direct, quoi. Ok, donc ça c'est géré. Les petits feux à gobelins qui sont gérés, donc ça c'est bon. Barbardide qui ont mis pas mal de coups. Pas masse de coups, mais ils en ont mis pas mal. Alors là, 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 là. Et là, son ballon au niveau 5 qui va m'embêter. Mais en fait, pas tellement. Là, je vais attendre qu'il joue ses. Déjà, je vais le laisser attaquer. Donc, son double fût. Non, il joue pas son double fût, d'accord. Je vais quand même jouer la bûche. Parce que sinon, je vais me faire démonter. Ah, bah voilà. Là, il va me défoncer, voilà. Allez, hop. Oh là 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 là.
J'ai été bête. J'aurais dû mettre un bourreau beaucoup plus tôt. Non. Aïe, bûcheron. Aïe, bûcheron, tu passes devant? Non, tu passes pas devant. Non, tu passes pas devant, yes. Voilà, comme ça, tu peux prendre la tour. Tranquille. Et là, ça va encore. S'il rebalance un fût à gobelin, ça va parce que il en rebalancera pas. Bon, là, maintenant. Je vais mettre un bourreau vite parce que sinon il va me démonter avec son ballon. Et son ballon a mis un coup. J'ai cru que sa boule de feu allait être fail, mais non. Je pense un peu trop fort. Parce qu'il m'a entendu. Du coup, maintenant, je me retrouve comme ça. Voilà, et puis là, la tour qui tombe, c'est parfait. Comme ça, on a un squelette qui tombe aussi. Ah, je ne joue pas le bourreau. Du coup, 709 points de vie sur ma tour et j'ai réussi à gagner. Donc je vais faire encore une petite attaque et puis après on s'arrêtera là pour la vidéo. Donc c'est parti. Bûcheron bûche, le bon combo des familles. Là, le bûcheron qui va partir tout seul. L'électro-sensible qui gère bien le cochon. Moi j'ai un deck qui contre bien les cochons. Après, j'ai pas un deck très qui contre bien les PK. Voilà quoi. Parce que les PK ils sont vraiment durs à gérer. Sauf avec le dragon de l'enfer. Mais là, dans très peu de cas, j'utilise le dragon de l'enfer. Vous avez remarqué. Donc, je sais pas si je vais le retirer de mon deck ou pas. Parce que c'est quand même une bonne carte, mine de rien. Alors juste dans mon coffre légendaire, ce que je voudrais le plus comme légendaire, en fait je veux tout. Mais le truc c'est que là, en fait si j'ai mon, si j'aurai, quand j'aurai mon coffre légendaire, je pense que le méga chevalier sera déjà sorti, je pense. Après s'il est déjà sorti, je le veux, parce qu'il est trop bien. Méga chevalier est déjà niveau 1, il fait masse dégâts. L'électro sorcier, je l'avoue, j'ai joué un peu à l'arrache parce que j'avais rien. Et il mettait rien non plus. Donc, voilà. C'est pas bien qu'on ne peut pas avoir 10 partages de travail comme ça. Il y en a un qui prend. Un qui prend le. Voilà, c'est passé comme ça. Un qui a pris le cochon. Un qui a pris le. Le. Comment? Le chevalier. Ces gobelins qui sont morts. Géré par le mini P.K. Le mini P.K. survivant, entre parenthèses, parce que. Le mini P.K. c'est pas fait pour survivre contre un gang de gobelins, ou même une horde de squelettes, ou une horde de gargouilles. Ou là, par contre, le père des ventes. Tu prendras pas ma tour. D'ailleurs, j'ai bien fait, entre parenthèses, de pas jouer mon dragon l'enfer sur ce combat, parce qu'il a l'électro-sorcier. L'électro-sorcier qui est vraiment une très très bonne légendaire. Peut être vraiment défensive et offensive à la fois. Là, par exemple, le mien est offensif, le sien est défensif. Donc là, c'est une défaite. Dommage. Ah là là, oui, la bûche qui va défoncer l'électro-sorcier. Et cette bûche niveau 2, comment elle fait bien le travail. Voilà. Donc pour l'instant, c'était tout.
Voilà. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.